nous avons une mission à accomplir. Dans un monde peuplé uniquement de sprinters, 6 mois après que tout ait basculé, le célèbre athlète français Christophe Lemaître va devoir dompter l'apocalypse et réaliser l'exploit suivant. Créer une base de zinzin en plein cœur de Muldrow. Pour cela, il faudra mettre la main sur un groupe électrogène, sur le guide permettant de le faire fonctionner et sur de nombreux matériaux pour sécuriser la zone. La zone en question sera la suivante, le US Turret de Muldrow, un endroit entouré de grilles infranchissables par les sprinters et détenant de nombreuses surprises dans les garages. Bon visionnage! Et salutations tout le monde, bienvenue pour le 7ème épisode, pour le 7ème jour plutôt, de l'aventure de Christophe Lemaître. Oui, aujourd'hui, peut-être sera le jour fatidique de l'hélicoptère, j'en sais rien, on va voir ça ensemble dans quelques instants. C'est parti! Allons-y, regardez, il neige autour de nous, c'est beau. L'ambiance est bonne, on est bien là, ça fait plaisir d'être là, le souci... c'est qu'il y a des sprinters et potentiellement, bah du coup, comme je le disais précédemment, un hélicoptère qui va venir nous foutre le bordel. Donc, allons-y. On se concentre, on se focus. Vous avez de la musique, moi pas, puisque jouer avec de la musique et les sprinters, c'est pas possible. Je viens de bugger, je pensais qu'il y avait le setup table avec les chaises, mais c'est pas la même maison. Ça va. J'ai vraiment eu un petit bug là à l'instant. Ok, donc tac, tac, tac. Il nous manque toujours la scie. Et est-ce qu'on s'écouterait pas le bulletin radio là? En vrai de vrai. Comme ça c'est fait. On sera tranquille. On est pile poil à l'heure. En plus j'ai les écouteurs donc... On se met là au cas où. Moment stratégique. Panne d'électricité. Oui, monsieur. Aujourd'hui, on scale les miches. Un peu de vent. Ciel clair quand même, c'est cool. D'accord. Du coup, cet après-midi, la neige s'arrête. Ouais. Parce que je sais pas si j'ai bien compris le bordel. Pas d'hélico. En tout cas. Pas d'hélico. Bah, c'est bon. Hein. C'est cool. Ça fait plaisir. On va boire un petit coup dans les toilettes. À la jacouille. On remplit ça. Est-ce que d'ailleurs... Non, l'autodrink ne s'est pas activé, c'est parfait. Voilà. J'équipe bien évidemment mon katana, puisque en zone ouverte, c'est le plus simple. Et là, j'avais looté un. Hein. De la peinture, incroyable, waouh! Ça fait plaisir. Bien, on va continuer sur le quartier. On va continuer sur le quartier. Donc cette maison, normalement, elle est faite, mais attention quand même. Faut pas bâcler, là. Hein. Je suis quand même bien parti dans cette aventure. Ça serait con de... Ouais. De tout perdre sur un move de merde. L'autre Z avait un fusil. Ouais. Si on peut les prendre un par un à la poussette comme ça, c'est cool. Hein. Oh le con. Merci bien, merci bien. Il y a tout qui est... Tout est chargé, là. Le problème, c'est que ça me met lourd. Il faut que je mange un truc, quoi. Ah, mais j'ai deux fusils à pompe dans le sac.
Ok. Alors celui-là, je vais l'équiper et récupérer les cartouches. Ouais, celle-là, je mets comme ça. Tranquillement. J'en avais pris un la dernière fois, donc du coup, celui qui était là-bas. C'est bien ça. Tac. Et puis voilà, c'est pas mal. Ouais. Ok, le holster, je l'ai déjà. Ça me met à 11,84 sur 11 si je transfère ça là. C'est un petit peu mieux, mais ça reste quand même bancal. Avec le katana dans les mains, ça me met... Ok, c'est bon. Allez, il faut qu'on bouffe, hein. On a un Z en visu. On va longer, hein, la palissade. Par le sud. En fait, il faudrait qu'on arrive à l'agro. Sans agro, l'un de ses cousins. Ah purée, elle s'est retournée. Elle réagit pas. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez. Ok, ça c'est fait. Après, est-ce qu'on peut trouver une scie dans la maison? C'est compliqué quand même, hein. Compliqué le bazar là. C'est horrible à nettoyer le jardin là. Il y a beaucoup trop d'arbres. J'ai cru entendre des bruits de pas. Là, il est grand celui-là, hein. Il est quand même vachement grand. Il doit faire le double de l'autre, quoi. Il y a trop de zones à couvrir. Bon, on peut se focus sur la maison. Alors, la porte ouverte, c'est pas ouf. On va se caler aux fenêtres. Il y a des aides à l'intérieur, hein. C'est surtout la porte qui est juste là, qui pourrait me causer beaucoup de tort. Oh, il y a des céréales là-bas sur la table. Il y a des petits céréales. Ok, visiblement ils sont de l'autre côté de la maison. Peut-être à l'étage. Y'a pas de fenêtre de ce côté, c'est pas... C'est quoi ce bordel là? C'est quoi cet assaut du GIGN là? Il y en a un qui a sauté par la fenêtre? Attends. Il y en avait... J'en entendais un. Allez, peut-être deux. Je marche. Accroupi. Il y en a un qui saute par la fenêtre. Dinguerie déjà. Pourquoi pas? Mais dinguerie quand même. Je m'éloigne de la fenêtre. Et il y en a quatre autres en bas. En fait, on joue avec l'intégration, c'est ça? Vous avez fait spawn des Z là, depuis la vidéo? C'est quoi ce bordel? Sans le katana, c'est mort. Hein. Encore une fois. Le katana, c'est un petit peu mon armure scénaristique.
Donc, bah merci, hein. Ça me donne qu'une envie maintenant, c'est d'en trouver un deuxième. C'est pas fini. C'est pas fini du tout. Ça va trop vite. Il y en a un autre. Putain, le début d'épisode, il est terrifiant. Mais c'est quoi ce merdier, quoi? C'est pas fini, hein, autant il y en a d'autres, hein. Je suis sûr qu'il en reste un. J'entends rien, mais des fois ça veut... C'est pas gage de sécurité tout ça. Putain, mais sérieux. Il y en a un à l'étage. XT ? Extérieur. Alors ça c'est pas cool parce que s'il monte maintenant dans les escaliers là, je vais être comme un con. J'ai peut-être aggro des aides en tuant le groupe de là-bas là. Il en reste un. Ok, il est là. Tout seul. Tout seul, ça va. Ah, mais on est directement sur la sortie. Ok. C'est pour ça qu'en fait, la zone est terrible. On loot, on se casse. On peut pas rester ici, c'est impossible. L'ouvre-boîte, c'est bon, c'est fait. La conserve, on va la prendre. Ouais, il faut qu'on pense sérieusement à partir de là. Je pense qu'on arrive au bout du truc, là. Ça commence à devenir trop dangereux. Putain, le loot, quoi. Comment tu veux partir en laissant des trucs? C'est impossible. Putain, ça me brise le cœur de laisser tout ça. Je vais manger les lentilles, là. Je vais manger les lentilles. Et je vais remanger des lentilles avant de partir de la maison. Au moins... On pourrait prendre du poids pendant la prochaine nuit. Casserole vide. Les céréales. De la boisson chaude. Alors personnellement, moi j'y toucherai pas. Après 6 mois comme ça, à l'air libre, dans ce contexte. Je préfère ne pas y toucher. C'est marrant, elle périme pas. Tu prends quand même un moins 10 de dépression. Hein, avec. Hein. C'est ouf. Hein. Et la casserole... toc toc toc. Je la prends, est-ce que je la prends pas? J'ai des bouteilles de verre qui peuvent me permettre de purifier de l'eau. Donc en vrai, couture méca, un nouveau marteau, tournevis pile. Putain, il y aurait eu la scie là. Le bonheur. Ok, tournevis, c'est bon, c'est fait. On va voir ce que l'étage nous propose, mais. Ça valait quand même le coup, hein. Clairement. Hein. Mais qu'est-ce que c'était chaud, quoi. On aurait pu mourir quelques fois, là.
Pantalon de survêtement, regardez, putain. Le pantalon de survêt, malheureusement, ce n'est pas le vert. Je vais pas le prendre, du coup. La colle roulée, on a déjà. Mais oui, objectif secondaire. Hein. La tenue complète de survêt. Il y a un monde où on tombe sur un Z qui porte déjà le survêtement, mais vu qu'on est en 6 mois plus tard, il y a peu de chances qu'il soit en bon état. Allez. Je bouffe les lentilles. Et on va repartir soit en arrière, soit on essaye d'aller checker la maison qui est en face. J'ai quand même beaucoup de trucs sur moi. Il reste 7 maisons à faire. Qui est probablement très dangereuse. Ou pas. Vu comme ça, elle a l'air bien la maison, mais ça veut rien dire. C'est ça le problème, c'est qu'on le connaît ce fichu jeu là. On a eu la démonstration tout à l'heure. Ça tient à pas grand chose, hein. Si jamais c'est la merde, hein, je saute par-dessus la palissade, hein, tu me diras. Je sais que de l'autre côté, c'est relativement safe. Mais c'est vrai que c'est tentant d'aller grappiller du loot en plus. Bien que ce soit peut-être pas nécessaire. Oh, regardez, on a un Z là-bas qui se repose. Ok, vous voyez. Il y en a quelques-uns. Je la sens pas trop la zone là. Il y a un truc qui me fait dire quand même que... que ça peut très très vite mal se passer. Et même que ça va très mal se passer. Je sais pas. Vous voyez, il y a un truc qui... qui fait que l'agro n'est pas passé. D'accord, ok. Bizarre. Les deux ils sont à côté. Hein. Ça va se jouer au pixel. Ouais. Littéralement, là c'était au pixel près. Il veut pas tomber. Le couteau de chasse qui fait plaisir quand même. Attention hein. Attention parce qu'ils sont pas mal paqués hein, de l'autre côté. Ils sont pas mal paqués. On sait pas trop ce que ça va donner. Genre celui-là il est problématique. Il est très problématique celui-là. Oh! On l'a sauvé. Bon, en faisant ça, on lui a probablement pété la colonne vertébrale, mais on a bon cœur quand même. Christophe a bon cœur. Allez, Christophe, un autre. Oui. Après, il en restera 5 à l'extérieur, dans la maison, je sais pas. Je suis à combien en vrai de vrai? 13.5 sur 12. Hein. C'est pas bon du tout. Si jamais il faut passer par-dessus la palissade, il y a une chance que je ne passe pas. Tout simplement. Donc, bof. Je suis pas non plus archi serein, quoi. Elle loue la tête. Mais non! Alors ça c'est dommage pour le katana mais je peux pas me permettre de mettre autant de temps pour tuer un Z, c'est trop long.
À tout moment, là, il y a un Z qui saute d'une fenêtre et ça fait comme tout à l'heure, hein. Ok. C'est plutôt maîtrisé pour l'instant, mais il en manque un. Il en manque un, là, à l'appel. Il y en a un qui est descendu, on l'a jamais revu. C'est embêtant. Il y a une fenêtre juste là, c'est embêtant aussi. En espérant qu'il y ait à bouffer dans la maison là. Comme ça je me remets le boost de santé. Et je l'avais pas du tout vu. Je me remets le boost de santé et ça me permettra de porter tout mon bordel à la voiture. En espérant que le respawn n'ait pas tout changé. Et les migrations aussi. Ok, on peut commencer à s'attaquer à la maison. La fenêtre qui est contact à l'escalier. Porte aussi? Attends, c'est une... Non, c'est pas une porte, c'est une fenêtre aussi. Bah, l'escalier, il est... Il y a deux fenêtres contact. Autant te dire, mon ami, que ça peut très vite partir en cacahuète, là. Ça a l'air calme à l'intérieur. J'ai enlevé mon téléphone. J'ai fait vibrer le micro pour rien. Ça a l'air vide, hein, par contre. Y'a rien. C'est ouf, hein. La maison de tout à l'heure, c'était... Ah bah, c'était l'abondance. Et là, y'a absolument rien. Y'a pas de livre non plus. Y'a rien dans l'étagère. Ok, intéressant. Enfin, pas pour moi, hein. Mais c'est un phénomène... assez particulier. Ok, y'a rien non plus. En fait, des fois, t'as des maisons comme ça sur PZ où il y a absolument rien. Regardez, il n'y a pas le moindre loot. Bon, il suffisait de le dire. Un magazine. Sur quoi? Sur... Allez, une quinzaine de conteneurs, là. Un magazine. Ah, le perso, par contre, il est dégoûté. Le fait d'avoir bouffé les lentilles sèches, là. Ça lui a pourri la vie. On va lire le mot croisé, du coup. Ça ira mieux, peut-être, après. Il lui faudrait aussi des sudoku. Oh, Christophe. C'est bien connu. Quand t'es très triste, tu te lis un petit magazine, ça va... Ça va un peu mieux après. Les mots croisés, alors là, c'est top pour la santé mentale, vraiment. Des mots croisés. Ah, ça, de toute façon, ça changera rien. Il nous faut des bouquins. Un bouquin rouge. Mais il n'y en a pas dans la maison. Ah, par contre, attendez, on va faire un petit point carte avant de repartir vers les voitures. On va faire un point carte parce que là, il s'est passé quand même pas mal de choses. Déjà, ça, on a fait. Cette maison, je pense qu'on va pas du tout y aller. Et ensuite, faut commencer à penser à l'escape, hein. On va probablement partir vers le sud. Pour rejoindre, par exemple, Crossroads, on pourrait aller là-bas, pour l'hélicoptère. Le sous-sail, c'est que, quand même, en 6 mois plus tard, il y a beaucoup de Z. Et même si j'ai une voiture, ce sont quand même des sprinters. Donc, je vais m'en prendre un paquet. Et si j'ai vraiment très peu de chance et que je me retrouve bloqué, je sais pas moi, on peut avoir un barrage de voitures de police... des voitures disposées de telle manière que le véhicule ne passe pas sur un chemin ou je ne sais où.
Ça peut très vite tourner vinaigre cette histoire, et on peut pas prendre l'avenue principale non plus, c'est beaucoup trop dangereux. Attends, ça je vais l'enlever. Donc ouais, il va falloir réfléchir. Nos voitures sont garées là. On en a une ici, une là, du coup. Faudra sortir par là, rejoindre la route, tac tac tac. Passer vers là-bas au bar. Et une fois au bar par contre, normalement ça gère, hein. Pas de soucis. Bon, allez, on va retourner vers les voitures, il est 17h20. Je me suis coincé. Et là par contre, faut faire archi attention. Parce que ce qui était safe il y a 10-15 minutes pour nous ne l'est peut-être plus. Et ce qui était safe les épisodes précédents ne l'est probablement plus. Ça, par contre... Vous voyez ? Il en suffit de deux, hein. 3. La hache. Ouh. 4. Respawn ça, hein. Je l'attendais pas celui-là. Ok. La hache représente quand même un intérêt. Non négligeable. Oh, il y en a beaucoup. Oh là là, ça va être une galère ça. Celui-là il est en pleine rotation, mais il va venir du coup. Attends, c'est une agro, c'est une deuxième agro ou pas? Ouais, c'était une deuxième agro. Je trouve qu'elle est venue de loin celle-là par contre. Oh non. Ils veulent vraiment que j'utilise mon katana, hein. J'en ai besoin moi du katana pour plus tard. Et là, il y en a peut-être à nouveau, hein, des zombies. Hein. Ok, on peut combattre à côté de la palissade, ça craint rien. Il y en a beaucoup quand même, hein, je trouve. Hein. Oula. Et en plus la hache, je vais pas pouvoir la prendre là. J'ai pas de place dans le sac. Je vais au moins la poser ici, histoire de... Voilà. Tiens, bah d'ailleurs je vais faire un truc tout con mais... efficace, j'ai laissé mon sac ici. Comme ça, je m'allège, je suis mobile et je vais pouvoir voir ce qui se passe de l'autre côté là. Je me tâte même à faire un tour de la maison. Vous voyez ? Il y a des aides qui sont revenus à l'intérieur. Là, le fait de combattre ici, ça peut m'amener une rotation sur ma droite, là. Ça peut manger la palissade de l'autre côté, hein. Faut faire attention. Ça, ça donne l'envie de rester caché dans une maison, tout ça. Hein. Ok, chez les voisins, ça tape. Mais ça, à la limite, c'est pas trop notre problème.
Malin. Celui-là, je l'attendais pas. Il y a la porte juste à droite. Ce qui est très embêtant. Il est à l'intérieur, ce con. Franchement, je suis pas trop chaud pour aller à la voiture là. J'ai quand même un truc qui me fait dire que c'est dangereux. Et que c'est peut-être pas une bonne idée. Parce que les zombies qui étaient là, ils sont forcément venus de là-bas. Ou c'est du respawn. Ouais, ça court là-bas. En pleine nuit, je le sens pas. Je le sens vraiment pas. Je vais prendre mon sac du coup. Et on va se mettre dans cette maison-là. Pour passer la nuit. Et la hache, je vais la laisser là. Pour la nuit, au moins. Là, il n'y a pas de porte. Là, oui. Ok. Putain, j'ai qu'une chambre. Sinon, tout le reste, c'est ouvert. Tac, tac, tac. Ça, c'est bon. On est bien. Ce Z-là, je vais le mettre, au rez-de-chaussée. Avec celui que je viens de tuer. Hop, comme ça ils font connaissance. Et moi, je me place juste là. Avec les fenêtres pour sauter si c'est la merde. Et voilà, on va se mettre là, tranquillement. On va pouvoir débriefer un petit peu. Déjà, je vais enlever le bandage à la main droite. Je pense qu'il n'y a plus rien, c'est bon ça. Problème réglé, voilà. On est mieux comme ça. Alors mon Christophe t'as passé une bonne journée. Regardez, 79 prises de poids. Ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Au niveau des talents, bah écoutez, l'entretien, on va passer le niveau 1 bientôt. Est-ce que ça a grandement changé l'aventure? Non. Clairement pas. Mais ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce que je peux manger avant de me coucher? On peut boire. On peut s'allumer au vin blanc. En même temps, ça nous fait dormir. Je vais bouffer les pépites de chocolat. Attendez, je vais faire tout simple. Je vais prendre sucre, vin blanc. Hop, je mets tout ça là-bas. Je me tâte même à manger les haricots secs. Peut-être demain, les haricots. Vu qu'on a pas mal de lavabos à dispo, autant le faire ici. Autant consommer les aliments qui nous déshydrate dans des maisons. Et le vin blanc. Ah, il faut attendre un petit peu avant de boire. Ok, on passe le temps. Tac, tac, tac. Vin blanc. Ça nous fait une nouvelle bouteille en verre en plus. C'est pas mal. Un peu court hein, au niveau de la force, le personnage là. On doit faire pas mal de compromis, c'est un peu chiant. Ok. Oh, c'est mieux comme ça. Et je vais passer le temps jusqu'à 23h, je pense. Ouais, 23h, c'est pas mal. Et demain, eh bien, rebelote. Hein. Rebelote, rebelote. Mais je vais pas enchaîner les épisodes. Là, pour le coup, celui-là m'a pris pas mal d'énergie. Je me cache pas. Je préfère revenir tout frais pour le prochain. Je préfère revenir vraiment tout frais parce que là, je sens que demain, ça va être sport. Peut-être l'hélico, donc... voilà. On garde la surprise. On garde la surprise.
Réveil 5h50. Tac, tac, tac. Au niveau du poids, qu'est-ce qui me rend si lourd? Je sais pas, je comprends pas pourquoi je suis plus lourd que la dernière fois. Mais on va se laisser comme ça. C'est très très bien. Épisode de malade. Le katana qui nous sauve encore une fois. Hein. Bon. Ça va on va s'y habituer d'ailleurs. Le katana, combien de temps il va nous sauver? Pas longtemps j'imagine. Ah ça va. Pas trop mal. Il a encore quelques aides devant lui. Et puis voilà, hein, c'est pas mal. Bon bilan. Un jour 6 qui fut fort en émotion. Voilà, voilà. En tout cas, bah, pensez à laisser un pouce bleu. À laisser un petit commentaire, ça fait plaisir. Et puis, à suivre cette série avec moi. Voilà, voilà. Rendez-vous dans 4 jours pour tout le monde. Rendez-vous le plus rapidement possible pour les membres de la chaîne. Merci à vous. C'était Spiflo et fin de communication. Le pouce bleu. Mets un pouce bleu si t'es aussi beau que sera ton laveur cosmonaute de l'espace.